Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Après midi, police nationale d'Haïti, invité nous. Vin couvrir un point de presse. Côté, on va présenter nous. Cinq messieurs sales qui étaient impliqués dans un zag kidnappé côté qui ont 8 ans qui étaient en vie. Hier, qui était 13 septembre 2021, la police a reçu une plainte d'un citoyen qui était venu informer la police que petit garçon qui a âgé de 8 ans était victime de zag kidnappé dans la zone de Gérald Bataille. Pendant qu'il était sorti de l'école, il était accompagné d'une demoiselle qui a mené la caille et bien yon dans M. Sayo qui a attiré l'attention de tout le monde savé à lui-même et qui a enlevé tout le monde. La police, spécialement le commissariat d'Elma, a été mis en branle. Ils ont été travailler ensemble avec plusieurs unités. Dans Delma 33, il a été mobilisé, il a été renforcé l'opération bouclée Port-au-Prince, dans le sud d'Elma. Et dans Delma 33, il y a un RAV 4 de couleur verte, numéro LN00644. Il y a plusieurs jeunes garçons qui étaient chita à bord de Kinsar et qui étaient paraît suspects. Il a été interpellé tout M. Sayo. Après interpellation et interrogatoire dans le commissariat d'Elma, il y a la dernière qui a collaboré avec la police. Il a parlé, il a eu des informations sur Zaksa qui était commettant. Et là, la police est arrivée avec le commissariat d'Elma, il a découvert qu'il y a un échange appel entre eux-mêmes et Papa Timonza, qui était bien évident. Côté de la pour négocier ensemble avec Papa Timonza. Yulia Monsayo était intervenu, il a décidé de collaborer, c'est David Jean-Baptiste. Il était décidé de montrer qui côté il était séquestré Timonza ensemble avec les équipes. C'est comme ça, hier soir, dans une dizaine de soirées, plusieurs unités, soit BRI, accompagnées du commissariat d'Elma, étaient rendues dans le village Solidarité. Côté où tu joins, petit ça. Je suis mené dans Thaïlande, je suis un petit petit Zachita, toujours en uniforme, avec l'été pour conclure en Thaïlande. Et la police est arrivée, sortie avec petit petit Zachita, sain et sauf, et puis remettre à la famille. Pendant tout le déroulement, il y a un monde qui est Bernard, ainsi connu, qui était en contact avec M. Sayo. Malheureusement, il est arrivé en Thaïlande, il n'a pas joint Bernard. Et la police a cherché Bernard activement. Bernard a suivi Timon Saha, mais il est arrivé, il n'a pas joué Bernard. Timon Saha est déjà arrivé avec la famille. Et la police a cherché l'autre monde encore qui était impliqué dans Kassa. Cinq mounes à là, il y a David Jean-Baptiste qui s'est tonton victime. Qui là, David Jean-Baptiste, qui s'est tonton victime. Il y a Jean Jean-Baptiste. Il y a Frédéric Lundi, nous avons Peter Saint-Pierre, et la cause Ricardo, qui est un policier qui a affecté la polyfront, qui est une 28e promotion. Nous avons tout le monde sérieux ensemble, nous avons chita, nous avons fait ça, et la police est procédée à l'intervention. Et pour qu'on y a là, il y a une base d'Elma 33, il y a pour répondre à la question de la police. Et il a invité toute la population à partager toutes les informations qui viennent avec la police. Nous avons immédiatement que la famille a été informée que Petit Li était dans une situation difficile. Il était cherché à chimer la police. Il a informé la police de la situation. Et la police a pris une décision de la famille. Et pour qu'on y a, Timon ça, il pouvait dire la caille pour qu'on y a. Pour quel que soit. Le kidnapping, nous ta victime ou bien nous ta ouais ta prête, prend toute information maximum
nous sommes capables de partager avec la police. Et relayer la police, partager l'information ça y est. Sur qui machine, qui quantité de monde, comment le monde ça va habiller, et qui corpulence le monde ça y est. Et qui plaque machine, qui direction machine. Et ça permet la police de faire travailler plus bien. Et opération bouclée pour tout le monde continue, et la police a continué à faire job, l'image des populations, collaborer avec nous, la mobiliser. Aider dans la situation ça a rongé le pays noir. Et on a profité et informé la presse que les deux mois que la police vivait à l'été tout dans la kidnapping qui était fait sous Mme Lara Nazon. Pour qu'on y ait deux mois qui n'a des CPJ qui a répondu aux questions de CPJ. C'est dans la kidnapping sous Mme Lara Nazon qui est devenue sa réalité. Bientôt, on a bien pour nous partager l'information sur le monde ensemble avec nous. Mercredi, monsieur venu la caille nous. Monsieur est petit cousin bien la caille là. Monsieur venu faire toute journée en net avec nous. Monsieur mange avec nous, monsieur boit avec nous, monsieur va aller nous balcon. Ah? Police ça qui participe ensemble avec nous. Pardon, monsieur finit manger avec nous, monsieur va aller nous payer moto pour monsieur pour la caille. En fait, de 19 à INE, l'école l'a relé. L'école l'a dit nous comme ça. Mais demain, c'est fini. D'être maintenant, il nous parle. Il y a beaucoup d'autres monde qui viennent d'être maintenant. Nous voyons une cousine qui est Milanda. Nous voyons une cousine qui est Milanda à chercher Timouna. Pendant Timouna, Gérald Bataille. Pendant Timouna, Gérald Bataille. Est-ce que c'est la carrière et Timouna? Oui, la carrière. La caoudée. Oui, la caoudée. Petit cousin lié. La police a partagé quelques autres informations que vous êtes arrivé joindre à partir de téléphone. Vous êtes joindre dans mes Kesnel Joseph dans une autre conférence qui permet la police arriver joindre plusieurs autres pistes que la vérifie information qui sous téléphone ça l'a bien pour partager avec la presse toutes les informations. Et après que la police finit arrêter, c'est monsieur ça que nous avons gardé là, qui c'est Judjan, à Bontot, à Foreigner, couleur gris, immatriculé TP 38-329. Judjan, c'est un agent police parlementaire. Il est arrivé collaborer avec la police et mener la CAELI toujours dans Delma 40B, côté la police arrive et saisit 4 autres fusils d'assaut AR-15. Mes numéros fusil SAIO. PFR 00815. PFR 00510. PFR 00347. PFR 01526. PF 01506. Gen lot moun la police a cherché dans le dossier ça qui c'est Babaz. Moun ça li a fonctionné sous deux noms qui c'est Célestin Robinson et Kesnel Jean-Baptiste. La police a cherché Mounsa. Image li a gagné pour partager avec la presse très bientôt. Selon l'explication Judjan fournie par la police, c'est Babaz ou bien Koz Mounsa qui a fonctionné sous deux noms qui a bali matériel ça pour vendre pour lui. Et Zam sa yo, yo chaque grain coûte $4,500 US selon information li partagé avec la police. Et Zam sa yo sorti dans l'autre pays. Ils arrivent dans le port de paix, de port de paix étant, ils remettent Zamsa au bail chauffeur Tibus qui a fait port de paix Port-au-Prince pour venir dans Port-au-Prince, remettre à lui-même, à M. Judjan, pour revendre pour Babaz. En résumé, la police, dans le cadre de dossier ça, arrive à arrêter deux mouns toujours et ils ont cherché Mounsa qui gagnait nom Célestin Robinson ou bien Kestel Jean-Baptiste, et l'autre monde encore, suite à l'information que vous-même fourni, et l'information que vous joignez sous téléphone Kestel. Et puis, le commandement PNH a lancé opération quadrillé zone métropolitaine Port-au-Prince, dans l'idée pour freiner Zach kidnapping qui a répété chaque jour dans la capitale. Pour parler à PNH, Marie-Michel Guerrier fait qu'on est institution à mobiliser dans tout le pays pour faire face carré à gang à Meyo. Marie-Michel Verrier m'a dit population
continuer à collaborer avec la police dans ce sens. Toujours dans le micro, par qui se croit, avec Michel Joseph. Après plusieurs actes de kidnapping qui sont enregistrés dans la capitale, à quelques autres zones dans le pays, le recommandement prend décision pour décadrer davantage les zones métropolitaines. Et demander tout l'autre commandant qui a commandé dans l'autre zone pour prendre décision dans la zone pour fouiller, chercher dans quel que soit coin tout ça qui a passé et procéder avec arrestation. Sorti lundi 20 pour arriver dimanche 26 septembre, la police recevra plainte pour 16 cas de kidnapping. Il y a un total 10 personnes qui ont arrêté pour kidnapping. Je nous te dis, nous la fois passée, la police réservait le droit. Pour ne pas citer nos gens en attendant, ni qu'à kidnapping, ils ont participé pour bien enquêter là. Parce que l'autre monde continue à chercher dans le dossier 10 personnes qui ont été impliqués. Dans plusieurs zones, nous remarquons que les checkpoints qui ont fait hier, pendant un check qui a fait sous zone Delma, précisément route piste, il y a un véhicule RAV4, couleur rouge, plaque location. Le véhicule ça a été paraît un petit gens suspect. La police lui-même qui était capé véhicule ça pour faire un check routine sur lui. Occupant véhicule ça, tu descend machine là, yo couri, pendant à courir, yo tiré sur la police. Et la police t'est riposté, une parmi occupant véhicule ça, t'est arrivé perdu la ville. Et l'autre yo gaillé dans la nature et la police a continué bousquer yo. Et malheureusement, t'es gagné un passant. Et la prend soin que Kali mérité. Dans plusieurs zones, nous avons remarqué des fouilles qu'a fait. La police m'a dit collaboration population pour capable river, freiner, affler ou ça, qu'a dévoré pays noir. Le bureau affaires publiques ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti fait qu'on est assistant secrétaire Brian Nichols avec directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour l'hémisphère ouest, Juan Gonzalez, a réalisé une visite dans Miami, État Floride, à Port-au-Prince, Haïti, sorti 29 septembre pour arriver 1er octobre 2021. Pendant la visite, ça, autorité américaine a bien pour discuter avec acteurs politiques pays d'Haïti, tant que le premier ministre Ariel Henry, avec ministre Affaires étrangères Claude Joseph, ensemble avec le groupement de la société civile et parti politique. Il y a bien pour discuter sur un processus qui permet de joindre la réponse à problème migration, sécurité, avec support pour reconstruction région sud là après tremblement de terre 14 d'août. Et puis, président dominicain Luis Abinader encourage la communauté internationale là, et spécialement les Nations Unies Haïti. Luis Abinader qui rappelait les conséquences de l'instabilité crise a gagné sous le pays, il fait connaître l'autorité haïtienne, pas qu'à résoudre la crise là pour compte, si tout avec l'insécurité groupe gagné provoqué. Il souhaitait si pour le gouvernement État membre arriver et aider sans perdre du temps pour éviter la crise a gagné conséquences. Sur l'autre pays dans la région. Plus de détails à Cofrenio dans la Voix de l'Amérique. No debe, ni puede abandonar al pueblo haitiano. Je dis communauté internationale là, pas ta loué et les pas qu'à abandonner le peuple haïtien. Dans le moment ça, à côté, nouveau insécurité à ta capable de causer pays à détruire. Moi dis ça à toute sincérité et pas en façon diplomatique. À division qui existait actuellement dans le temps leadership haïtien, à présence dangereux gagnants qui contrôlait une grosse partie du territoire, haïtien pour continuer pas qu'à pacifier pays à. Il n'y a pas même qu'à créer conditions nécessaires pour établir une ordre minime. Par conséquent, ce qui est plus important et plus urgent, c'est sécurité Haïti. C'est seulement après nous fin atteindre l'objectif ça hein, que ap capable gagner élection libre, juste que nous avons fait confiance. Et puis, avec un nouveau gouvernement comme interlocuteur légitime, il est capable de préparer un plan social et économique. Préparer un véritable plan intégral de développement économique et social. Depuis que assumimos el poder. Monsieur dit, depuis nous monter sous pouvoir, nous avons veillé la situation en Haïti parce que nous connaissons les problèmes qui sont capables de traverser les frontières. C'est peut-être ça l'important pour la communauté nation ça y comprendre à toute urgence. Et une fois pour toutes que la crise Haïti a, c'est une plus grosse priorité. Et les mérités pour nous veiller sous lui en permanence.
Récemment, il y a quelques gouvernements qui prennent mesure pour faire face avec la crise haïtienne. Pendant plusieurs années, chaque jour, le pays nous a fait face avec conséquences sérieuses presque pour compte nous. Pour années, chaque jour, notre pays a encarado pratiquement seul. Et puis, ministère planification et coopération externe organisé un atelier de jour lundi 27 et mardi 28 septembre 2021 dans ville Jérémy. Objectif atelier ça, c'est permettre participants de mettre en place un plan national évaluation après catastrophe. Ça cap aider autorité nationale à joindre une évaluation à plus de détails sur dommages, pertes et puis besoin département grand ancien après tremblement de terre 14 d'août 2021. Correspondant nous Gérald Guillaume pour détails. Sous l'obédience au ministère planification et coopération externe, il y a un atelier deux jours organisé pour réaliser un PDNA dans la ville de Jérémy, dans souci pour évaluer la quantité de gâteaux tremblement de terre 14 d'août causés dans la région et puis identifier les besoins à différents acteurs qui présents. Nous avons cité magistrats sortis dans 14 communes département Grand Anstan, vice-délégué à arrondissement, directeur départemental, représentant ONG international et local pour brasser l'idée sur la situation. Responsable pour l'élection civile Grand Anstan, M. Watson Delano Montesino, dans l'intervention de montrer à clair l'importance que le PDNA a gagné pour une communauté après une catastrophe naturelle. Toutefois, il souhaitait magistrats participer dans le processus là pour une véritable réponse. Magistrat majorité commune qui était présente qui prend la parole, montrer fragilité commune la CAIO après tremblement de terre 14 d'août. Problème en pile, tant que de l'eau, manger, relance économique, bons en construction, c'est le principal problème majorité commune dans Grand Anstan. Initiative départementale contre la traite et trafic Timon Nanganos IDET plaide en faveur une intervention sous question intégration santé mentale dans le cadre PDNA. Par rapport à catastrophe, montrer prise en charge psychologique qui parfaite après chaque événement qu'on la cause en pile de trouble mental. PDNA, c'est une méthode Nations Unies développée dans la tête collée à la Banque mondiale et l'Union européenne pour traiter l'impact et puis garder capacité à créer ce gain. PDNA après aider l'autorité nationale à joindre une évaluation avec plus de détails sur dommages pertes et besoins communautaires après tremblement de terre, permettre de développer plus bonne stratégie pour agir sur secteur socio-économique, tant que logement, santé, réduction risque, éducation, l'eau et assainissement, agriculture et tourisme, pour ne pas seulement activer sa venue support, programme Nations Unies pour développement NUT. Jérémy Guillaume Gérald, RTNH. L'autre nouvelle, secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste là, réalisé sorti vendredi 24 pour arriver dimanche 26 septembre là, yon vireron dans plusieurs communes département nord pays. Dans l'occasion, Eric Jean-Baptiste qui te gagne akli plusieurs cadre patia distribué outils agricoles by plusieurs centaines citoyens. Démarche ça entré dans cadre accompagnement RDNP à bay ak secteur agricole là. Selon Eric Jean-Baptiste, Lounel Jean-Louis, Maxo Joseph, compte rendu. Piqua, ou ak manchette, ces outils agricoles sa yo, secrétaire général RDNP qui te gen ak li, secrétaire général pour affaires paysans patiyan Oscar Raymond, et puis l'autre cadre nan patiyan, distribué by citoyens dans la localité Crête Brûlée, première section communale Mibale, et puis dans la localité Belmay, deuxième section communale Pillon. Citoyens yo déclaré, souti sa yo pral permettre yo travail nan pi bon condition. C'est une grosse satisfaction, nous battons pile bravo pour le secrétaire général là qui vini qui fait un pile distribution matériel agricole avec paysan yo qui pral travail la terre parce que lui même dans RDNP il toujours a prôné ça que pour la question d'agriculture. Donc nous mettons accent sur ça, nous très accentué sur ça. Le moment me joindre ça là, me dit merci parce que moi pas de gain. Mais je dis à moi ici, on a dit merci et puis pour bon Dieu, bal force, bal courage pour tout chercher pour nous. D'après le secrétaire général adjoint RDNP pour les affaires paysans, l'initiative ça a témoigné sensibilité patient pour accompagner les paysans. Je ça a montré proximité et sensibilité RDNP gagné pour le secteur paysannier. Bon, c'est aujourd'hui, c'est toquette là, le chat derrière. Ça a montré que et RDNP, en général, gagne une extrême sensibilité pour la population paysanne. Et ça traduit encore, les nouveaux sous-pouvoirs, et on a toujours fait même geste ça, cette fois-ci avec
avec outils qui plus poussés. Étant donné que nous pouvons arriver sur le pouvoir, c'est ça nous gagnons, nous portons par les paysans. Secrétaire général RDNP a déclaré, secteur agricole a mérité plus encadrement. Éric Jean-Baptiste promet pour continuer à accompagner les paysans pendant les félicités de discipline appliquées dans le moment de distribution. Dans le cadre du projet RDNP gagné pour nous porter solidarité, par les gens oubliés, les gens pays profonds. Nous avons des projets côté que une association de paysans, de cultivateurs, qui t'a écrit nous, qui t'a dit nous, même les cultivateurs, même les paysans, ils ont du travail, ils font effort, ils ont un petit mais il est difficile pour joindre les outils agricoles. Donc, je dis, c'est dans le cadre ça que moi-même, je suis présent là, ensemble avec tout délégué, toute équipe RDNP, nous sommes fait une belle distribution sans une graine policier. Je fais toute route là, net qui crase, pas gagner une graine policier. Et pourtant, où est-ce que vous vivez, comment vous avez une discipline, tout le monde est en ligne, et puis tout le monde allait avec cœur content. Dans ce sens, ça, je suis satisfait. Dans ce sens, moi, les gens qui ont discipline, les gens qui ont fierté, les gens qui remet tête, regardez-nous, moi, les gens, non, belle-mère, que ou fin balle un ou, et puis son piquoil devle, là, elle est avec ou, et puis après ça, le web piquoil, il retourne, lui dit, s'il vous plaît, ou qu'a changé ça pour moi, pour ban million piquoil, aïe, moun de bien. Distribution d'outils agricoles, il va continuer dans plusieurs autres communes, d'après responsable RDNP. Yon délégation 40 sapeurs-pompiers qui gen nationalité française a quitté pays a après yote vin pote solidarité yo bay population grand sud de pays a. Directeur protection civile la, docteur Jerry Chandler, remercie et puis félicite GFOR sapeurs-pompiers sa yo qui bay en pile coûte mais nan aide victime tremblement de terre 14 d'août la. Et puis plusieurs citoyens qui logent dans le centre sportif Kafoua manifesté mercredi 29 septembre là pour dénoncer conditions y a vivre là qui pas bon. Moun sa yo ki kouri kite kayo depuis plusieurs mois à cause insécurité a mandé autorité yo aider yo sorti dans situation difficile y a vivre là en dessous. Chaque jour, on peut comprimer l'enfant et mourir. Dès qu'on est couché le soir, mes amis. Je ne vais pas aller vivre comme ça, je ne vais pas vivre comme ça, non. J'ai deux jours de mon mari, je me sorti pour m'en demander 50 gouttes. Pour m'attirer, pour manger, je ne vais pas vivre comme ça. Mon déradio a voulu de nos amis. Nous tous nos petits chiens là. Nous tous nos petits offerlés là, mes amis. Prenez conscience, mes amis. Prenez conscience. Et après, nous marcher misère là, nous tous nos offerlés. Et puis, président commission communale Kafoua, Jude Edouard Pierre, intervenu sous situation difficile, mairie Kafou a connu depuis quelques mois. Ce qui la cause, d'après ça, expliquer des difficultés pour servir la population. Jude Edouard Pierre a attiré attention autorité non pouvoir central sous situation ça et puis mandé intervenu sans perdre de temps. Nous extrait dans le micro Marie Jodon Hurtelou avec Michel Joseph. Je dis à, sur l'ensemble du territoire à travers les municipalités, il y a une rupture de services publics. Je n'ai pas qu'à ramasser Fatra Kafou encore. Mais il y a 23 matériels qui sont en panne dans la commune. Jusqu'à présent, pas un seul chargeur. Route Bizoton crasée. Le palette de Bizoton 49 jusqu'à 43 et jusqu'à devant la marine haïtienne. Devant Couba, zone viaduc là. L'arrivée et passe des fleurs, Charpentier.
l'arrivée sur le dérail là. Vous pouvez poser cette question, est-ce qu'il y a des gens qui ont dirigé la commune là, honnêtement. Et il faut nous honnêtes pour nous reconnaître l'imitation nous dans les moyens qui n'ont pas gagné, l'absence d'appui l'État à la collectivité. Et à Carrefour aujourd'hui, quand nous avons les plus difficiles. Depuis le mois de mars, nous n'avons reçu aucun appui de l'État, rien de l'État pour nous faire rien malgré les difficultés qu'il y a. Mais pensez que nos réflexions qui nous fait aujourd'hui sur l'importance collectivité, non bas service à la population. Et ça que fait maintenant là, nous venons là pour moi, garder qui est possible, alerter l'opinion publique là, alerter le gouvernement, et en particulier TPTC. Donc aujourd'hui, je me demande qui ça service public veut dire pour nous diriger. Je me demande qui ça Carrefour gagne avec TPTC, ministère de l'Environnement, qui est totalement absent, monsieur et dame, sur Carrefour. Je m'invite à garder Tesso, à garder Hakim, à garder un passe des fleurs, garder route Charpentier seulement. Je me crase 23 cailles depuis décembre 2018. Route là-bas, jamais fait, car je suis de Jodia. Mon saison de pluie, chaque jour, je suis dans Carrefour, inondation, même fatra au bac à ramasser. Moi, je pense que c'est important pour m'alerter l'opinion hein, sur ça que j'ai comme contrainte, mais tout qui ça m'a pris comme mesure justement pour m'essayer de pallier les difficultés, faire Carrefour, eh bien, continuer à vivre. Nous demander que l'État, TPTC, ministère de l'Environnement, en particulier, intervenir à Carrefour, faciliter que j'ai la vie qui reprend. Si nous parlons de l'école a fait Carrefour de manière normale, nous voyons ça. Nous n'avons pas de l'argent pour continuer l'école, mais ce n'est pas insécurité qui fait que nous parlons de Carrefour. Donc c'est un travail colossal de la communauté et de la police que nous saluons. Mais nous pensons que le gouvernement doit faire mieux, de faire rapide pour aider Myria, eh bien, by service et aider toutes les mairies en général qui ont 20 mois qui ne sont pas touchés dans le pays. Tourisme pour une croissance inclusive, c'est en bas de thème ça, ministère tourisme, dans tête collée avec Primati et puis rectorat Université de l'État, célébré journée mondiale tourisme la 27 septembre 2021. Dans l'occasion, ministère tourisme signe des mémorandums entente, une avec Université de l'État et puis l'autre là avec réseau national promoteur tourisme solidaire en dessous. Célébration Journée mondiale touriste là, c'est un moyen pour sensibiliser la communauté mondiale là sur l'importance touriste à contribution secteur à un niveau social, culturel, politique et économique d'après l'initiateur. Premier ministre Ariel Henry a profité occasion pour renouveler l'engagement gouvernement pour accompagner à terre dans le secteur touriste là dans le cadre d'une reprise efficace, progressive, coordonnée activité touristique et en façon inclusive à travers le pays. Célébrer tous les ans. Le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme est le plus grand événement international pour le tourisme. Il a pour objet de mieux sensibiliser la communauté mondiale sur l'importance du tourisme et à son apport social, culturel, politique et économique pour tous. Les thèmes proposés par l'OMT nous permettent d'échanger sur des éléments vitaux pour le secteur. La restitution doit nous servir dans la définition d'un plan. Le gouvernement prône et encourage la relance des activités touristiques, laquelle se veut inclusive à travers la participation effective de tous les acteurs, quelle que soit leur taille, leur effectif ou leur chiffre d'affaires. Mais que faire et comment? Au cœur de cette relance doivent figurer les données, les acteurs, la formation, la participation, l'appui économique, etc. Je pense que la relance du secteur touristique doit être pragmatique. Pour agir, nous avons besoin avant tout de données fiables. La collecte d'informations sur le terrain est une activité essentielle à la planification de la relève touristique. À ce titre, les universités et les centres techniques de formation peuvent être mises à profit pour collecter et analyser et traiter les données. Dans l'occasion de la célébration Journée mondiale touriste, la ministre touriste la Cassandra François signe un premier mémorandum entente avec l'Université de l'État et puis un deuxième avec le réseau national promoteur touriste solidaire RENAPROT. La mise en œuvre de ce protocole d'entente va permettre l'implication des entités de l'UEH, en particulier l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, mieux connu sous
sous le nom d'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti, l'IRA, dans les activités d'identification, de protection et de valorisation du patrimoine touristique et culturel sur le territoire national. Le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, le RENAPORT, que je représente ici, développe le courant du tourisme rural communautaire comme moyen pour introduire les concepts du tourisme durable dans l'espace haïtien et orienter ses actions ainsi que celles de ses membres pour projeter et porter les 10 concepts comme modèle en vue de définir un tourisme haïtien avec ses spécificités propres et le doter d'une bonne dose d'originalité, ce qui aidera à lui faire occuper une place de choix parmi les destinations de la région au regard de l'avancement des autres pays qui font en grande partie dans le tourisme conventionnel. 21 dans la commune. Objectif là, c'est arriver marquer fête ville là cap célébrer 200 l'année existence li. Dans ce sens, ça yo profiter inviter toute petite commune là cap vivre en dedans au soir des pays à côté coller pour permettre activité yo réussir. Richard Saint-Jourdain. Nous venons pour nous inviter toute petite bombarde, toutes amies bombarde, monde qui habitue visiter bombarde, pour nous protocoler ensemble avec nous, pour que nous fêtions gros fête ça, qui c'est 200 ans commune bombarde police. 200 ans, les mariés, presque mariés, ensemble avec 4 octobre qui va venir, qui c'est fête Saint-Patron bombarde, qui c'est Saint-François d'Assise. C'est vrai, on a quitté le temps, le soir pour que Mme Natacha Blaise Dupré va parler un peu de toute activité culturelle qui va gagner. Mais nous-mêmes, nous devons présenter aux communes Bombadopolis en gros qui ça qui gagne là-dedans. Et en termes de l'hôpital, combien l'hôpital qui gagne dans la commune Panouan? C'est vrai, nous charger gros médecins et des médecins qui qualifiés, mais nous gagnons, nous capables de dire, 3 centres de santé qui plus ou moins aménagés, qui c'est l'hôpital HB qui situe dans le centre-ville. Et nous gagnons, pas trop longtemps là, qui est deuxième section, soit inauguré un centre de santé. Et nous gagnons l'autre centre de santé qui est troisième section. Et nous gagnons encore qui est dans la première section qui est située là, et zone pomme, et surtout dans la première section. C'est ça que nous gagnons un commissariat, et puis en pile l'église. Mais en d'autres termes, nous pas gagner l'autre activité, surtout activité et espace culturel. C'est cool de dire qu'on a aménagé terrain sportif non, en termes de bagaille qui gagne. En termes d'activité que nous pouvons gagner pour le mois d'octobre, nous gagnons 4 octobre 2021, que nous pouvons fêter fête patronale, qui c'est François d'Assise. Dans l'occasion 4 octobre, on a gagné différentes activités. Par exemple, on a gagné un foire qui a été organisé pendant 2 jours sur Plastan. On a gagné un bal qui a été organisé pendant le week-end. On a gagné un jeu qui a été organisé pendant le week-end. Nous avons lancé une invitation avec toutes petites bonbons qui vivent en dehors du pays, qui vivent dans tout coin dans le pays. Et nous avons invité tout professionnel qui est habitué à travailler bombard, tout ONG qui est habitué à investir bombard, nous avons invité pour venir participer avec nous dans l'occasion fête 4 octobre. Sans nous pas oublier pour nous dire que 2 octobre, nous avons gagné un bal avec septembre, que tout le monde connaît, dans le Paradise en hôtel. Et puis le 3, nous avons gagné un bal avec Créola. Et que nous invitons tout le monde à venir danser, venir participer ensemble avec nous dans le moment ça. Et 4 octobre, qui c'est le jour principal, qui c'est le jour fête patron nous, qui c'est François d'Assise, nous avons gagné un groupe jazz local nous, qui c'est classique, qui a fait grande première dans la commune. Nous invitons tout le monde à venir participer avec nous. Pour 200 ans, l'activité a commencé depuis lundi. La mairie a gagné assainissement et d'autres activités. Mais le week-end 15 ans, c'est lui-même qui prend le week-end tête chargée, week-end d'ambiance, un week-end de retrouvailles, un week-end côté tout le monde pour enjoy yo. Nous avons une activité qui a commencé dans vendredi, nous avons un théâtre qui a commencé dans vendredi. Dans samedi, la mairie a gagné une conférence débat avec tout ancien député, ancien magistrat commune Bombardo Policio. Côté nous pour poser problème commune, côté nous pour poser toutes
point faible qui gagne dans la commune pour nous, comment nous avons une porte de sortie, comment nous avons une solution pour la commune qui avance vers l'avant. Commission municipale, commune Akaya, lancé ensemble activité cap bien pour marquer 200 l'année existence de la commune. Activité sa yo a déroulé sorti 17 octobre pour arriver 31 décembre 2021. En suivant. 7 octobre 1821, 17 octobre 2021, pour la commune Akaya, 200 ans. Et le président Boyer lui-même était décrété Akaya comme commune. Et il est important pour faire connaître que depuis l'année 2021, nous tous, dans le conseil intérimaire, avons dit comment nous pouvons faire comme ça. Ce qui est inquiétude de nous gagner, c'est concernant le pays. Nous avons regardé pour nous, est-ce que date ça lui-même, nous sommes capables de passer comme ça. Il y a une date qui est importante pour la commune Akaya. Et ce qui est plus intéressant, nous-mêmes, étant que membre de commission, c'est lorsque nous avons petit Akaya, plusieurs secteurs dans la commune, ils ne sont pas traités indifférents. Côté au cap checké, nous avons dit, magistrat, qui s'est passé? Est-ce que fête la fête? Est-ce que nous-mêmes vraiment que nous avons quitté une date si importante qu'on s'est passé sans que nous ne pas marquer? Et nous te prenons ça à cœur. Nous avons que Archelois, Archeloisio, vraiment une commune. Et nous te dit, étant que responsable, nous pas qu'à passer. Date ça inaperçu comme ça. Et nous-mêmes, nous avons pris l'initiative ça, côté nous avons fait contact avec un pile et personnages que nous gagnons dans la commune qui est vraiment important pour nous, que nous avons fait appel avec eux, côté nous sommes capables de former un comité pour nous faire ça. Nous rassurons qu'une fois que liste d'activités, et comme on dit, qui a gagné, qui a constitué l'agenda festivité, une fois que nous gagnons l'ensemble avec nous, à travers le commandement de la police nationale, nous avons informé et la direction départementale de l'Ouest, et nous prenons toutes dispositions nécessaires. La police est présente avec eux, et nous avons la sécurité, et nous sommes capables de réaliser la fête bicentenaire. Ça. Toujours même dossier ça, mairie Akaya en tête collée avec le comité multisectoriel là, visé réaliser plusieurs activités tant que conférence pour opter et puis marathon. En tout. Dans le cadre de 200 ans, il y a un aspect qui a rapport avec la culture que nous mettons en pile en face sous lui, c'est voler valorisation patrimoine. Nous ne connaissons que le monde qui est dans mon Akaya qui ne connaît que Akaya a deux forts pour plus petit. Qui c'est Fort Douette et Fort Delpech. Et il y a un paquet de l'autre site qui a Akaya, même mon Akaya ne doit pas connaître, mais une dimension culturelle et historique qui a gagné. Tant que la Grand Guiton, tant que l'église Saint-Pierre de l'Akaya, nous avons le référent avec nous, qui ont l'église qui dépassait 100 ans. Par là, ça. Ça veut dire, pendant tout ça, nous-mêmes, pendant 200 ans, ça, nous avons un partenariat avec APIC Haïti. APIC, c'est une agence qui travaille dans la valorisation du patrimoine. Industrie, c'est agence de promotion du patrimoine des industries créatives et culturelles. De ce fait, lui-même, a travaillé ensemble avec ISPAN, MCC, l'a fait relais pour nous, de manière à ce que parmi tous les sites patrimoniales que nous avons, nous puissions mettre le cap sur 10 années. Nous avons aussi les croisades du bicentenaire, et bien croisades sont organisées par des leaders ou groupes religieux et pour nous capables aussi éclat activité ça, éclat commémoration ça. Et aussi nous avons des projets durables que nous allons faire à l'occasion du bicentenaire là. Nous avons aimé laisser un bagage quelconque bien pour Akaya. Par exemple, nous travaillons pour nous construire un point fixe dans deux marottes, c'est-à-dire une sous-station de police dans deux marottes. Alors c'est sûr que le terrain est disponible et nous allons faire tout ça que nous sommes capables pour que nous sommes capables vraiment de travailler sur tel projet que nous connaissons très important. Nous avons des projets de lampadaires et nous avons placé les lampadaires dans des lieux très stratégiques. Nous travaillons sur des forages de puits et réparation des puits, gares routières, aménagement des tribunaux de paix et des offices d'état civil
et nous avons construit des kiosques de vente, c'est-à-dire et bien des petits vendeurs, bien des petites marchandes, whatever ça que nous avons fait pour que nous avons un coup de main à Mounsao, même si c'est whatever quantité que nous avons fait, nous avons essayé de voir comment nous avons aidé. Nous avons aussi des activités d'aide à certaines couches de la population archéloise. Par exemple, il y a une balade que nous avons fait, c'est faire un check-up médical. Nous avons le check-up médical du bicentenaire. Eh bien, nous allons rassembler tous les médecins qui viennent à Arcaïe et les amis à Arcaïe, tous les médecins. Et bien, nous allons aimer pendant une semaine, nous allons faire un check-up pour tout le monde qui est capable, peut-être qu'il n'a pas de chance, eh bien, aller voir un médecin, au moins, nous allons faire un check-up ça. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.